Chers internautatrices, bienvenue dans notre émission dédiée à la santé et nos petits problèmes de virus. Aujourd'hui, la troisième partie dédiée à pandémie, extension état d'urgence, le jeu de Matt Leacock qui a été rejoint par Tom Lehmann pour cette extension. Et qui mieux que Monsieur Faissal pour nous parler de cette extension. Bonjour Faissal. Bonjour Guillaume, bonjour les internautateurs. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors Monsieur Faissal est là parce que cette extension fait partie de la gamme Pandémie, que Pandémie est un des jeux phares de la maison d'édition québécoise Philosophia. Et c'est pour ça que nous avons, ça n'a rien à voir mais transition aucune, il faut présenter aussi nos autres invités, Mademoiselle Jade. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Pas trop stressé, première Trictrac télé? Non, ça va. Alors, Mademoiselle Jade, je vais m'arrêter un tout petit peu sur elle parce qu'elle a un métier un peu particulier. Est-ce que tu accepterais de... Tout à fait. Ah, vas-y, dis-nous. Alors, je fais des études pour être thanatopracteur. Thanatopracteur, donc c'est pour s'occuper des thanatos? Non. Non, c'est pour s'occuper des... Pour s'occuper des gens qui sont morts. Ah oui. Donc une fois qu'ils ont été bien tous contaminés, bah moi ça m'arrange parce que ça me fait plein de boulot. Ah, il y a une qui balance le truc comme ça, d'accord. On a voilà. Trouvé le bioterroriste. On a trouvé le bioterroriste de la première extension tu n'es pas venu. Tu es venu avec monsieur Alexis, bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Alors, ce n'est pas ta première Trictrac télé et tu tentes la barbe toi aussi, ça veut dire quoi? On se contamine entre animateurs. On se contamine, d'accord, ça roule. Alors pandémie, état d'urgence, on l'a dit, c'est la... Troisième extension. C'est la troisième extension et c'est même la dernière pour pandémie. Premier juré craché au jour d'aujourd'hui. D'accord, ouais, je vois. A priori, effectivement, le triptyque est terminé. On l'a sur la table, en bout de table, on avait pandémie au seuil de la catastrophe qui est la première extension, qui a été suivie l'année dernière de pandémie extension in vitro. Et on a maintenant pandémie état d'urgence qui se décline sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on retrouve différents modules. Exactement. Avec un petit peu de tout. Donc du coup, ben voilà, moi j'ai la boîte. Alors visiblement, il y a des animaux, il y a du virus violet, il y a des nouveaux personnages parce qu'ils sont dessinés ici. Je vais quand même présenter la traditionnelle règle du jeu qu'on retrouve pour toutes les pandémies, c'est-à-dire on a une première page avec tout le matériel et ensuite un code couleur avec les différents nouveaux défis, les modules dont nous parlions. Mais là, moi, je n'en ai pas besoin puisque j'ai un Faissal sous la main. Je vais pouvoir mettre ça dans le devers de Trictrac. Et j'ai envie de dire, Faissal, quels sont les modules qu'on trouve dans Pandémie État d'urgence? Alors, bon, déjà, premièrement, il y a des cartes événements en plus. Je ne sais pas si tu peux les montrer en caméra déportée. On va les montrer en caméra déportée parce que l'avantage, c'est que ça permettra de montrer, hop, ici, dans le coin, en bas, le petit coq qui est juste là, qui est le symbole de cette extension. Ça permet de retrouver les cartes beaucoup plus facilement. Donc, ça, ce sont les nouveaux événements. Ça marche. Il y a des nouveaux personnages. Certains seront sur la table, on les expliquera en temps utile. D'accord. Voilà. Alors, certains sont, oui, je comme le médecin, est revisité de façon à pouvoir être adapté à l'extension. D'accord, ça marche. Et certains sont même spécifiques à des modules. Donc là, on a le médecin qu'on connaissait déjà, mais qui est réadapté pour prendre en compte tous les éléments de cette nouvelle extension. On a le vétérinaire qui n'existait pas, mais qui n'est à utiliser qu'avec le défi des arrières-pays, c'est ce que tu disais. Et puis, on a d'autres rôles qui, eux, alors je vais mettre le pharmacien. Hop, le pharmacien, lui, peut se jouer dans n'importe quelle situation. D'accord. Voilà. Et tu as le colonel qui ne s'utilise qu'avec les extensions de la mise en quarantaine, le module de la mise en quarantaine, pardon. Alors, on a un premier module avec la mise en quarantaine et le colonel, lui, ne s'occupe que de ça. Il a un côté, c'est moi ou il a un côté russe, on dirait, non? Enfin, je ne connais pas du tout les costumes militaires, hein, mais effectivement, on dirait un colonel de l'armée russe. Donc ça, c'est la première partie, on rajoute un petit peu de tout. Voilà, très exactement. Premier module. Les quarantaines représentées par ces jetons. Alors, on a plein de petits jetons avec du côté 1 et du côté 2. Alors, qu'est-ce que ça fait une quarantaine? Alors, pour une action, on pose une quarantaine quelque part, ce qui fait que la première fois qu'il y a un cube maladie qui doit venir dessus, la zone est mise, on dit entre guillemets, en quarantaine, le virus ne vient pas dessus, donc là, il est sur le côté 2. Il sera retourné côté 1. Ah, d'accord. La deuxième fois que ça viendra, il sera retiré, etc. Okay. Ça permet un peu de
temporiser le jeu. Les éclosions. Voilà. Alors, par contre, tu dis, c'est quand on en rajoute un, est-ce que c'est au moment où on tire la propagation? Parce que, alors, je le rappelle, effectivement, ah oui, on fait pas vous êtes peut-être arrivé sur cette vidéo de façon hasardeuse. Pandémie est un jeu coopératif. Coopératif au sens où les joueurs jouent ensemble contre le jeu, l'objectif étant de trouver 4 remèdes contre 4 dangereux virus qui se répandent sur toute la planète. Les virus sont les petits cubes bleus, noirs, jaunes et rouges. Et donc, nous en étions à dire, ça peut arriver avec la défausse propagation. Voilà, est-ce que ça peut arriver avec les éclosions? Ça peut arriver quand une éclosion arrive, effectivement. D'accord. Donc, une éclosion, la quarantaine évite... En fait, on a mis ce secteur en quarantaine, ce qui fait que, effectivement, les virus ne peuvent pas venir ce coup-ci. D'aucune façon. D'aucune façon. Donc ça, c'est le premier module. Les modules de la quarantaine, c'est assez simple. C'est quelques petits jetons. On en a combien? Voilà. On en a 6, c'est ça. Impeccable. Je me t'ai dit, il en manque. Premier module. Donc, premier module qui aide un petit peu pour… alors, ça coûte une action de le faire, effectivement, mais ça permet de gérer des situations compliquées. C'est plus un module qui va aider, ceux qui ont un peu du mal. Est-ce qu'on peut mettre la quarantaine sur une ville où il y a déjà des cubes maladies? Non, je ne crois pas. Non, faut que j'ai un doute. J'ai un doute. Bon, on vérifiera, mais effectivement, du coup, ça aide à… temporiser. Le module des défis des urgences. Alors, ça, ça ressemble, je vais les mettre en caméra déportée, ça ressemble à des événements. Il y a des vrais virus, ça. Jade est en train de passer l'arme à gauche avec à cause d'un virus qui va faire de l'embaumeuse. Alors, les urgences, dis-moi tout. Alors, il y en a un certain nombre, on en met autant que de cartes épidémie, on mélange. Et ce seront surtout des choses pas terribles qui vont nous arriver de façon supplémentaire. Les avions qui restent au sol, des problèmes, il y en a pas mal. Donc je vois, lors de la prochaine éclosion, vous ajoutez 2 cubes maladie au lieu d'un dans chaque ville reliée. Voilà, des problèmes sanitaires divers qui vont nous poser pas mal de soucis en plus. Donc, c'est une extension qui rajoute de la difficulté. Notamment. D'accord. Alors, il y en a même ici, là, je vois, sur l'urgence avion des CDC cloués au sol. C'est un effet continu. Donc, il peut rester tout au long du jeu. Tout au long du jeu. Ah oui, d'accord. Donc on ne sait pas ceux auxquels on va faire face. Tu as dit on en met autant qu'il y a de cartes. De cartes épidémie. On peut moduler la difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10. Il y en a une dizaine et il y a du quoi renouveler le jeu. Et on les met face cachée, donc on ne sait pas ceux auxquels on va faire oui. Il essaye déjà de tricher. Ça serait un peu trop facile. Donc ça, c'est le module des urgences. Ça ressemble à des cartes événements, mais en fait, ce n'est pas du tout des cartes positives. Ce sont des cartes négatives. Ok, deuxième module. Troisième module. Le super virus. Vache. Alors là, par contre, ça va rappeler quelque chose aux joueurs qui jouent à Space Alert. Les petits cubes verts translucides. On a des petites stations de recherche très particulières et on a bonus défi du super virus. Comment est-ce que ça se joue tout ça? Les cartes bonus se rajoutent de la même façon d'ailleurs que les cartes urgence, c'est-à-dire que si on joue à 5 épidémies, on en met 5 en plus dans le jeu, on mélange. Ça va nous aider parce que c'est un défi qui est plutôt difficile. D'accord. Ça permet. Il y a. Donc, une maladie ici, les cubes, il y a l'ensemble des cubes dans la boîte qui se rajoutent. On a donc une cinquième maladie. D'accord. Pour trouver le remède à cette maladie, il faut une carte de chaque couleur. D'accord. Puisqu'elle est violette et qu'il n'y a pas de carte violette dans le jeu. Pas de carte violette dans le jeu, très bien. Alors, la difficulté, ça vient surtout du fait qu'on change les conditions de victoire. Il faut non seulement trouver les 4 remèdes, mais en plus, il faut éradiquer... la maladie violette pour l'emporter. Voilà. Alors, éradiquer, en langage pandémie, ça veut dire enlever tous les cubes du plateau. Normalement, ce n'est pas une condition de victoire, mais là, tu nous dis que ça change pour la maladie violette. Exclusivement pour la maladie violette. D'accord. Il n'y a plus de maladie violette, il reste des maladies jaunes et rouges, ça ne pose pas de soucis. Pas de soucis. Mais, parce que ce serait trop facile, la maladie ici ne se soigne pas comme les autres, en utilisant une action. Il faut avoir trouvé le remède. Le remède violet. Le remède violet. Ouais. Une fois qu'on a trouvé le remède violet, on a le droit de construire, tu peux les montrer. Les petites stations de recherche vertes. Ouais, qui sont des centres de vaccination, plus que des stations de recherche. Et ah oui.
D'accord. Quand on trouve ces petites stations, quand on construit ces stations, on a le droit d'aller prendre les petits… Alors, les petits cubes qu'on avait mis en caméra, enfin, les petits jetons translucides verts, voilà. Qui du coup deviennent quoi alors dans ce… C'est des vaccins. Donc, oui. On est obligé d'aller chercher les vaccins dans les champs de vaccination et les emmener à la ville où il y a les cubes violets, en sachant qu'avec un vaccin, vous ne soignez que deux cubes. Que deux cubes. Donc, ça veut dire… Je récapitule, on va perdre son temps. Parce que en pandémie, étant donné que le jeu nous met un petit peu la pression, c'est toujours un problème de temps. Ça veut dire qu'on va perdre son temps, entre guillemets, mais ça fait partie de la difficulté du jeu, à contenir le virus violet, ensuite trouver le remède, ensuite créer des vaccins, et ensuite y aller. Et on peut vraiment gagner à super virus ou Alors, je dirais que c'est possible. Pour un petit peu d'entraînement, non. Ouais. Ce module rajoute vraiment de la difficulté. Bah oui, parce que du coup, ça veut dire se déplacer, ça veut dire aller au bon endroit. En plus, les stations de recherche, les centres de vaccination, ça coûte aussi des actions pour les construire. Alors, la fois où vous trouvez le remède violet, la station de recherche où vous le trouvez devient immédiatement un centre de vaccination. Sinon, effectivement, il faut les construire. Il va falloir les construire pour en avoir plus possible. Est-ce que les vaccins peuvent s'échanger entre joueurs? C'est-à-dire, j'en amène un jusqu'ici, toi tu viens le récupérer. Non, je ne crois pas. Il faut avoir les bonnes doses. Il va falloir être très coordonné. Super rapide. Donc ça, c'est le troisième module, le module du super virus avec tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'en ayant écrit un petit peu l'article, je l'avais dit, mais ça vaut le coup de le redire. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte de pandémie état d'urgence pour pouvoir jouer avec les modules de cette boîte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les autres extensions. Il faut juste la boîte de base. Ça, par contre, c'est une extension. Il faut quand même un petit minimum. OK, troisième. Encore un ? Encore un, dernier module. Quatrième module, qui est représenté ici sur le plateau, l'arrière-pays. Alors, deux petits plateaux supplémentaires. Deux petits plateaux, des petits jetons, un dé. Alors, petits jetons, vous les voyez peut-être pas très bien. On les a rajoutés. Ce sont des petits jetons, il y en a 4 ou 5 qu'on a remis sur certaines villes. Donc, ce sont des gros jetons translucides. Ça permet de repérer sur le plateau les villes qui sont reliées aux arrière-pays. D'accord. Donc, il y a des zones qui sont des arrière-pays qui ne sont pas représentées sur le plateau, qui sont représentées ici. D'accord. Elles sont reliées à ces différentes villes. Villes qu'on a marquées, des petites pastilles. Des petites pastilles, okay. Voilà. C'est un aide-mémoire. Mm-hmm. Le principe du défi est le suivant, c'est qu'avant de faire la pioche propagation, on jette le dé que tu peux montrer peut-être en caméra déportée. On va faire le ménage du super virus parce que lui, il ne me plaît pas du tout. Ça paraît difficile. Je pense qu'on va faire un arrière-pays. On va faire une partie arrière-pays super virus. Super virus. Alors, on a le coq. Il a peur. On a le cochon. Ah oui, d'accord. C'est de la transmission par les animaux. Les animaux qui viennent nous donner dans les campagnes, dans les coins perdus. La vache. Dans les forêts, il y a les animaux ont aussi des maladies et les transmettent à l'homme. Et c'est là que va se jouer tout ce défi. D'accord. Avec deux phases vides et 4 animaux qui transmettent des virus. Donc, avant de faire la propagation, on jette le dé. D'accord. Si on obtient une phase vide. Tout va bien. Tout va bien, merci. Si on obtient une phase, voilà. Merci, Fessal. C'était travaillé avant. Si on obtient par exemple une phase avec le coq, il y a donc là-bas en Asie une maladie qui est un cube. On va rajouter un cube noir. Non, en plus. Ici. En plus là-bas, ouais, sur le plateau. Donc dans l'arrière-pays, ça va. Et quand il y aura le troisième cube, tout va bien. Quand le quatrième arrivera, il y aura une éclosion. Dans l'arrière-pays. Et les virus se transmettront dans les villes qui sont reliées à cette arrière-pays. Donc, cet arrière-pays qui est relié en Asie à 1, 2, 3, 4, 5, une éclosion dans l'arrière-pays asiatique provoque 5 arrivées de cubes sur les 5 villes. Voilà. On peut bien évidemment aller dans l'arrière-pays à partir d'une des villes reliées. Ah oui. Ouais. Donc, je prends mon pion, je suis à Mumbai. De Mumbai, je passe à l'arrière-pays. Voilà. Okay. Tu peux aller donc traiter les maladies là-bas si tu le souhaites. Oui. Je peux même te rejoindre dans cet arrière-pays. On y va. Et à ce moment-là, l'échange de cartes, comme on est dans un arrière-pays, on n'est pas sur une ville, on peut s'échanger plus facilement des cartes correspondantes.
Ah, ok. Parce que alors, oui. Dans l'arrière-pays. De la couleur quand même. Reste de la couleur. De la couleur. Oui, parce que normalement, dans le jeu de base, pour s'échanger une carte et donc réussir à trouver des remèdes plus facilement, il faut avoir des cartes de la même couleur. Il faut être dans la ville de la carte considérée. Oui. C'est-à-dire que si je veux donner Jakarta à mon collègue, il faut que nous soyons tous les deux à Jakarta. Et ça nous coûte une action. Donc là, on peut se rendre là-bas donc, par voyage, tout simplement, en défaussant la carte de la ville où on est, hop, on s'y rend. Puisqu'on ne peut pas défausser une carte ville en disant je vais par exemple à Mumbai, je défausse la carte Mumbai, je me retrouve à l'arrière-pays. D'accord. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. On peut y aller par voiture, tout simplement en un déplacement. On peut traiter des maladies là-bas et on peut s'échanger des cartes. Donc, il y a un côté… Il y a un côté qui s'équilibre dans la difficulté, dans la mesure où effectivement, ça va potentiellement nous apporter des virus en plus, un peu partout et des éclosions, mais ça va faciliter les échanges de cartes. D'accord. À chaque tour, avant la propagation, à chaque tour, lance le dé. Avant la propagation. On lance le dé. Ok. Voilà. Donc, ce n'est pas lié à des cartes. C'est pas lié à des cartes, ça rajoute un petit un côté hasard. Ouais. Alors, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans nos campagnes. Bah oui, ben c'est normal. Puis c'est encore plus de territoire à surveiller. Celui-là est plus facile. Puis je trouve assez rigolo le coup des animaux et le coup du dé. Donc c'est effectivement, comme tu dis, oui, ça donne plus envie de faire une petite partie d'arrière-pays que de super virus là où on va se faire ratiboiser. Je pense qu'on va faire un arrière-pays. Après, on va doser la difficulté, on va voir est-ce que ça vaut le coup de jouer en mode légendaire ou pas. On est des warriors, effectivement. Alors, pandémie restera pandémie. La seule façon de se rendre compte de ce que donne un module, ça reste encore d'y jouer. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver en état d'urgence, la nouvelle extension et la dernière, a priori, de Tom Lehman et Matt Leacock. Alors, Matt Leacock, qui a travaillé sur Pandémie au départ, rejoint par Tom Lehman, le papa de Race for the Galaxy, c'est chez Philosophia. On va se retrouver un petit peu après pour en faire une petite partie. Quand est-ce que c'est disponible, ça, Faisal ? C'est disponible bientôt. C'est… J'ai un doute. Non, c'est disponible, ça arrive en fin de semaine. Fin de semaine, nous sommes mi-mars, on va dire mi-mars 2015, donc disponible tout bientôt. Et ça coûte 30 euros. 30 euros pour la dernière extension de Pandémie. Ouais. Pandémie, état d'urgence avant le Pandémie Legacy. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous en reparlerons beaucoup plus tard. Pandémie, état d'urgence, c'est entre vos mains. Les animaux ne vous attendront pas. Dépêchez-vous de nous rejoindre. Et puis en attendant, merci à tous les trois et à vous de jouer. Ugh.